Nous sommes de retour à Miami, où vont se dérouler les qualifications. C'est la vitesse pure qui va départager les pilotes aujourd'hui. Tout le monde se demande qui va décrocher la pole.
Dans le sprint du jour, seule la vitesse compte, il y aura très peu de tours et peu de place pour la stratégie qui aura l'étoffe pour accéder au podium. Le circuit de Miami s'étend sur 5,4 km et serpente autour du Hard Rock Stadium. Ce sont 19 virages qui composent l'autodrome international de Miami et ces derniers mettront au défi les pilotes dans une course pleine de batailles roue contre roue. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de la Qualif Sprint. Guan Yu Zhou part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Pérez, Leclerc, Norris, Fernando Alonso, Sainz, Hamilton, Russell, Oscar Piastri, Stroll, Magnussen, Gasly, Hülkenberg, Ocon, Albon, Tsunoda, Ricciardo, Théo Pourchaire et Logan Sargeant. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Et c'est parti, les pilotes commencent le tour de formation avant l'extinction des feux de cette qualification sprint. Nous sommes presque prêts pour le départ de cette qualification sprint. Les voitures s'alignent sur la grille, pilotes et écurie s'assurent maintenant que tout est en ordre pour l'extinction des feux.
charge de la batterie est élevée. Tu peux utiliser la touche dépassement plus souvent. Mais surveille tes pneus, on ne fera pas d'autres arrêts au stand. Quand tu suis la voiture de devant de trop près, mieux vaut tenter un dépassement à la moindre occasion. Fonce!
La course sprint est terminée, mais on se retrouve très vite pour suivre les qualifications et le gros morceau du week-end, à savoir le Grand Prix. À très bientôt. Nous sommes de retour à Miami, où vont se dérouler les qualifications. C'est la vitesse pure qui va départager les pilotes aujourd'hui. Tout le monde se demande qui va décrocher la pole.
Bienvenue dans la ville magique. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur l'autodrome international de Miami pour le Grand Prix. Ce tracé se déploie autour du Hard Rock Stadium, un complexe sportif et de divertissement polyvalent qui a accueilli des Super Bowls, les Baseball World Series, de nombreux concerts de rock et maintenant la Formule 1. Situé sur la côte sud-est de la Floride, les 19 virages et 5,4 km du tracé de l'autodrome international de Miami ont été pensés pour permettre aux pilotes de se suivre et de s'affronter au coude à coude sans jamais compromettre pour autant leur sécurité. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Guan Yu Zhou part en pole position et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Pérez, Norris, Hamilton, Russell, Fernando Alonso, Gasly, Sainz, Stroll, Magnussen, Verstappen, Ocon, Oscar Piastri, Albon, Hülkenberg, Théo Pourchaire, Tsunoda, Ricciardo et Logan Sargeant. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Regardez qui nous rejoint en cabine de commentaires. L'homme, le mythe, la légende, j'ai nommé Jacques Villeneuve. Si on jette un œil sur sa saison, la comparaison avec son coéquipier penche nettement en sa faveur. C'est indéniable. Vous savez, la règle numéro 1, c'est d'avoir l'avantage dans son écurie. Les deux pilotes ont le même équipement, même si les deux monoplaces n'ont pas tout à fait la même configuration d'une course à l'autre et sont adaptées au style de chaque personne. Mais ça reste le baromètre le plus fiable. Battre l'autre pilote de l'écurie, c'est l'objectif premier. Et pour l'instant, l'objectif est atteint de son côté. Il faudra conserver cet avantage et cette énergie jusqu'à la fin de la saison. Et c'est parti, les pilotes s'élancent pour le tour de formation et l'excitation est à son comble dans les tribunes alors que le départ de ce Grand Prix est imminent. Quelle écurie réussira à sortir vainqueur aujourd'hui? Quelle stratégie s'avérera gagnante? Nous allons vite le découvrir, alors restez avec nous. Les monoplaces viennent se positionner sur la grille à quelques instants du départ de ce Grand Prix. Espérons que la course sera mémorable aujourd'hui.
départ avec notre coéquipier est de 12,9 secondes.
vient de chausser des cols durs. Elle a des cols durs.
semblerait qu'il y ait un problème et que les mécaniciens n'arrivent pas à enlever la roue avant de la Sauber. L'écurie va y prendre. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Bien joué, tu n'as pas tremblé. Objectif atteint sans problème.
course, c'est ton dernier tour. Damier est sorti, la foule est debout au moment où le vainqueur franchit la ligne et c'est Guan Yu Zhou. Nous avons été témoins d'une domination sans partage aujourd'hui. Dès le premier virage et jusqu'à la ligne d'arrivée, sa victoire n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Pas vrai, Julien ? C'est un succès indiscutable. L'écurie Sauber a su rassembler des fans dans le monde entier grâce à ses excellentes performances et en s'imposant sur les grands prix. Autant dire qu'après cet excellent résultat, leur fan club va encore s'agrandir. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite.